Salut les amis, aujourd'hui départ du port de la Londe et on va aller se faire les petites hauteurs et essayer de récupérer un petit peu la forme et de se faire plaisir en descente. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça se chauffe tranquillement. On va aller rejoindre le pied de la colline un petit peu plus loin. Et les choses sérieuses commenceront là-bas, quoi. Alors, on en profite hein, tant qu'on peut là, à dérouler. Et puis après, ben, on va subir. Bon, eh ben, on a déroulé tranquillement dans les vignes. Et là, j'avais oublié ces coups de pétard successifs. Là, je pensais qu'on allait aller un petit peu plus loin tranquille. Et là, bim, je vais mourir. 8 kilos de plus sur le bonhomme. C'est terrible en ce moment. Allez, on va essayer. En espérant qu'il y en ait un devant qui mette pied à terre. Comme ça, je pourrais dire que c'est de sa faute. Allez! Voilà, voilà, c'est pas ma faute! Allez, ça redescend dessus d'un petit peu. Et après, je crois qu'on se retape la même. Ouais, c'est ça. Allez, go pour la deuxième. Allez, je vous en ai passé une petite entre les deux. À deux doigts de fermer la chaîne et à la place d'ouvrir une chaîne de recettes de cuisine, j'en ai marre. Allez, Seb, j'en ai marre, j'en ai marre. Putain, j'ai plus le mental, j'ai plus le mental pour tout ça. Allez, c'est fait. Ça redescend un peu maintenant. Au coin. Allez, c'est reparti. Allez, ça monte encore et toujours. Pour l'instant, on s'accroche. S'accroche, on s'accroche. C'est cadeau. Ma tête de désespéré. On a fait quoi? 4 bornes, même pas tout à fait. Même pas 100 mètres de dénivelé. Oh, je suis dur. Out de chez out. Ça va être dur. Allez, je sais pas si ça descend un peu. On va voir pour l'instant. On prend. Je me rappelle plus à quoi ça ressemble. Ah. Hop là. Gauche. Aïe. Allez. On va commencer, ça va. Aïe. La descente, elle est cool. Ça permet de se mettre dedans. Parce que si je me souviens bien, je sais pas si c'est celle-là ou une autre, on va se faire un petit passage, un petit peu technique. Allez, je vais patienter là. Ça va parce que le coup de cul, il est petit. Oh!
c'est pas passé. Il est raide. Allez, ça descend encore. Ça, j'en sais rien. J'ai dit ça, mais ça descend plus. C'est chiant. J'ai de l'entrain, à chaque fois que ça descend, je me dis, ouais, écoute. Allez, on se refait tranquillement dans les petits singles, là, c'est sympa. C'est joli. Regarde dans quoi on monte. C'est pas top ça, des petits singles comme ça. Là, t'es vraiment dans... enclapé dedans, quoi. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Oh, ça semble un peu plus technique, là. Normalement, oui. Avec le... ah, on va s'arrêter là 2 secondes, voir s'il y a des autres copains qui passent. Ouais, ça a touché. Moi, j'ai pris la marche, mais par là, je l'ai fait la dernière fois, ça descend aussi. C'est même plus simple. Là, voilà, là, et tu te laisses aller. Et là, t'as rien. Ça tape pas au moins. Quand t'es mort, tu sens que tu rien. Ah non, c'est vrai, tu fais rien. Quand tu ouais. Là, il revient par là. Voilà, joli. Et là, tu sens que dalle. Le... bon alors, vous êtes pas passé? Qui c'est qui est passé? Ah, allez, il y a des vrais, il y a des vrais. Il est passé. Allez, ça continue, petit passage technique, cette fois-ci, vous avez vu. J'ai pas douté, j'y suis allé directement. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une vidéo où j'avais galéré pour le faire. Par contre, tu vois, là, je suis passé par la marche. Du coup, tu tapes un petit peu le vélo. Et au collègue, comme la dernière fois, je l'avais fait plusieurs fois, je leur avais dit que c'était plus simple de passer sur le côté gauche. Et c'est vrai que là, au moins, tu tapes pas, c'est plus cool. C'est visuellement plus compliqué parce que tu as une petite bosse au départ, donc faut arriver à se jeter dedans. Mais une fois que tu es dedans, c'est nickel. Allez, c'est reparti, on va aller. Un autre côté maintenant, après cette petite distraction, et on va aller encore se taper dedans pour se faire des jolies descentes. Allez, on est toujours là. On se refait un petit peu. On vient de passer un petit coup de pétard, pas long, mais un beau raidon. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur la caméra. J'ai réussi à le faire, mais j'ai quand même laissé des plumes. Là, on se refait un petit peu. Tranquillou, et après il y a encore une belle raide et longue montée à faire. Par contre là ça va faire mal. Bon ben c'était pas celle-là que je pensais, mais déjà celle-là là, elle a du steak. Alors je les laisse partir et j'essaye de la monter à mon rythme. On se rejoindra plus loin. Ouh. Regardez-moi ce boys band. Il est là, le boys band, les To Be Free. Ils sont là. Non, non, je réédite, c'était vraiment pas celle à laquelle je pensais. Mais elle est tout aussi violente. Alors j'espère qu'on va pas faire celle à laquelle je pensais en plus. Hein. Bon, allez, on se retrouve en haut. En espérant l'avoir faite sur le vélo. Ils m'ont l'air fatigué, je comprends pas. Ça montait à peine. Ça montait à peine. Allez, petit point de vue sympa. Non, je parle pas de moi. Hein. Ce qu'il y avait derrière. Hein. Je parle de ce qu'il y a derrière. C'est pour vous montrer ça que je me suis motivé à sortir aujourd'hui. C'est grâce à vous d'ailleurs que je suis sorti aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui veulent regarder les vidéos, qui attendaient ça avec impatience.
Alors je suis parti pour vous maintenant. Motivé à sortir. Merci à vous les gars. C'est anormal hein, qu'on descende pas. On fait que monter. Monter. Il y a un problème. Je comprends pas. Ah ben j'ai lâché un petit peu là à la fin. Ah, j'ai lâché comme une grosse merde. Ah purée. Jamais ça monte un peu, on s'emmerde là franchement. Ah non, ouais, déçu moi aussi, je me suis déçu tout seul. Je me suis déçu d'être venu en fait. Je suis à la roue de Manu. Oh merde, ça descend là, on va se faire chier. Putain, vivement que ça remonte. Hein. Allez, go. Alors là, normalement, quand t'arrives en bas, tu as laissé des plaquettes. Je te dis pas, c'est raide comme la justice. Il y a Billon Ford. Je sais pas comment il lâche. Hein. Je te promets que c'est raide. Hein. À mon avis, c'est parce que ses freins, ils freinent moins bien que les miens. Il a pas fait exprès. Oh quoi. Oh putain, il y a une caillasse. Putain, ça m'énerve ça. Je vais pas arriver à me lâcher. Quand tu auras plus de plaquettes, hein, je serai obligé. Hein. Ah oh, je suis pas tombé. Mais j'ai failli. Du coup, on va pas se lâcher. Hein. J'ai laissé une couille dans la selle. Oh purée. Ah oh. Mais Gabi, comment tu fais pour te lâcher là-dedans? Oh. Ah con, j'ai laissé une coucougnette dans la selle. Mais c'est vrai que tu lâches trop. Allez, c'est reparti. Voilà, tu vois, c'est con, mais je préfère là. C'est moins pentu. Il y a peut-être plus de technique, mais. Oh, mais plus à l'aise. C'est dans ce pentu de merde. Ouh! C'est là qu'il a dit qu'il fallait tourner. Moi je sautais là, si t'étais pas devant. Ah ouais, bon bah c'est la faute à Gabi si j'ai pas fait un jump. Hein. Oh, elle est sympa celle-là quand même. Ça s'est arrêté là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils trompaient de route. C'était par là. Itinéraire bis. Itinéraire bis. Ah oui, oui, ils en redescendent encore, ouais, ouais. On sait pas où on va, mais on y va. Oui, on a retrouvé le chemin. Oh, ben elle était géniale, cette petite descente, là. Elle était géniale. Yeah, yeah. T'as encore des pauvres, une petite piscine. Hein. Wow. Ouais. Magnifique. Ça, c'est le cabanon. Hein. C'est pas la résidence principale. C'est ah, tu vois ce qu'il y a de bien quand Pascal il nous trace une sortie, c'est que dès qu'on peut avoir du single, on roule dedans. Ah, quand on fait de la DFCI ou un morceau de route, c'est vraiment parce qu'on peut pas. On peut pas faire autrement. C'est toujours du caviar. Il est au top. Descendre encore un petit peu. Oh, allez, ça remonte. Descendu, mais j'espère que ça descend vraiment. C'est par là, ils sont. Je suis pas sûr. Si c'était pas là, il faut que je me remonte.
Mais bon, ça serait con de se la louper, ça là. Oh, elle était belle, ça là. Pa pa pa. Voilà, sans doute. Oh, faut pas se prendre le filet électrique. Oh, j'aime pas. Je vois que personne s'est posé la question si à un moment donné il fallait monter. Non, moi j'ai suivi Philippe. Moi j'ai vu que ça descendait. Il avait une belle trace, j'ai dit tiens, c'est nickel. Allez, ça refait d'aller vous tranquillou. Ça descend un petit peu, ça remonte, c'est sympa. C'est ludique là. Trajectoire très approximative. Ah, carrément tranquille. Carrément approximative les trajectoires. Allez les gars, ça monte pas. Abonnez-vous hein. Allez, ça a l'air de descendre encore un petit peu. On en profite. C'est cool. J'ai pas réussi à faire l'intérieur. Là, j'ai l'impression de connaître, je crois que c'est le chemin du retour, peut-être discretos si je prends vers les voitures et qu'ils ne me voient pas. Ni vu ni connu. Ah, je me suis trompé. On va voir ça. Allez, ça se paye cash. Maintenant, faut remonter. Et après, on va encore remonter. Pardon. Il est où le soleil? Il est où? Il est où? C'est drôle, quand ça descend, je chante. Et quand ça monte, je chante moins. Il est où? Il est où? Oh, c'est bon. Oh, mais que c'est bon! Putain, je monte pas. J'ai pas pris assez d'élan. J'ai pas pris assez d'élan. Ah, attention. Ça descend pas là. Les pédales, elles passent. Ouais, elles passent. Ah, c'est moi qui suis pas passé. Je suis tapé le genou, je me suis tué. Ah, je me suis... Pascal, notre traceur du jour. Et puis je peux te dire qu'avec lui, à chaque fois, tu te régales. Hein. Tu te régales, c'est toujours des sorties d'anthologie. Au top, Pascal. Allez, là, ça pédalouille. Tranquillou. Ça fait du bien. Ça sent là, à la fin de sortie. Il va y avoir encore quelques petits coups de cul. Mais je crois que le plus dur est fait. Toujours dans des petits singles, comme vous pouvez le voir. Voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça aère la tête. Ah. Les petits nordistes qui sont venus nous mettre un petit peu des flaques là sur le parcours. C'est pas beau. C'est pas joli. On est allergique nous à la boue. Quand je vois... vos conditions en ce moment, ça a attaqué tôt. Hein.
Mes pauvres, j'avais vraiment du courage. Vraiment du courage. Oh Jean-Louis, c'est quoi cette merde là? Putain, il roule pas ce vélo. Merde. Jean-Louis, tu l'as bien niqué Cyril quand même, mais bravo, franchement, franchement. Allez, après cette petite réparation, on est reparti. Bon, je l'aime moins la Pascal. J'ai l'impression qu'il nous fait faire un détour là. En fait, tout ça, c'est cadeau en plus en montée. En fait, on se redescend, on se remonte les descentes qu'on a fait tout à l'heure. On a fait un détour pour les remonter ça. Ouais, ben, ça fait travailler, c'est pas grave. Mais c'est dur. Allez, on y est. Je vous ai passé la première, on est dans le dernier petit coup de cul. Et puis après c'est fini. Après, ça fait la petite descente. Et ça déroule jusqu'aux voitures. Allez. Elle est moins dure que de l'autre côté quand même. C'est ce qu'on a fait au départ. Dans l'autre sens. J'ai encore un peu des watts, donc ça va. Allez, ça descend de maintenant. Ouais, c'est bon ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'aux voitures. Une belle petite sortie encore une fois là. Un régal. Bon les gars, cette sortie alors. Ah, bah, pour l'instant elle est finie. Le meilleur est à venir, tu vas nous faire un détour ou quoi? Ah ça va. Là on va se rentrer tranquillou. Et donc, un petit apéro pour fêter tout ça. Tu vois, regarde, à l'arrivée, il y a ta petite femme et ta petite famille. Ils sont là. Et ça c'est. Ça a pas de prix, ça c'est vraiment cool. Bon ben voilà, elles sont là pour sonner la fin de cette sortie. Une bonne sortie bien physique, hein. Enfin en tout cas pour moi. Moi j'ai un petit peu morflé, mais c'est beaucoup de petites relances, hein. Ça s'est quand même fait. Ça s'est quand même fait. On s'est régalé. Allez ben, moi je vous dis un bon week-end à tous et à une prochaine vidéo. Ciao.